Jardine. Eh, petit frérot, garde la foi, wallah. N-I-R-O. Sub de Blois, Kennedy, Dédé Long Beach, Gucci, à tous les quartiers de France. Tous les coins, on sait pas, oh. Hein? L'aventure est belle, hey. Elle est vraie. Inch'Allah, la route sera longue. Assalamu alaikum, hey.
As soon as the day start, get me a pound and I break it apart. Kush on my clothes, smell the green in my car. Ain't coming close, you smell me from afar. Time after time, I keep smoking that herb. Joint after joint, I must be on the verge of overdosing, I be on that loud. Speeding me up while it's slowing you down. I just got back from an overseas trip. Smoking with Ty, he had me high as shit. Cause we keep nothing but good in our J. Reppin' our gang and we mob every day. Break down the ounce, put it right on the tray. Ain't saving nothing, we smoke every day. Light up a joint, let it stink up the place. Or hit the bar, blow the smoke in your face. I'ma get money, nigga, I'ma get money. I'm a real nigga, so I'ma keep it real. And I love getting high. And I love getting high. I'ma get money, nigga, I'ma get money. I'm a real nigga, so I'ma keep it real. And I love getting high. And I love.
Yes. Bonjour, tu Allô? viens au mécano? Ah ouais, c'est moi. Allô? Oui. Bonjour, excusez-moi, j'aurais besoin de vos services, je suis tombé en panne. Si je vous envoie mes coordonnées, ça ne vous dérange pas de venir me dépanner? Oui. Je peux venir, je suis dispo. Mais... Dis-moi. Vous envoie mes coordonnées, puis je vous attends. Ok. Pas tout de suite. À tout de suite. Ah mais... Qu'est-ce que c'est que ce plan? Il y a son numéro qui s'affiche en fait. Pourquoi c'est son numéro qui s'affiche? Parce que je l'ai déjà dans mon répertoire, c'est pour ça. Oh, c'est fou le bordel ça. Yes, j'arrive, fermez la porte. Alors, est-ce que j'ai reçu un truc. Merde. Ah voilà, je suis pas dans la merde. Ah, c'est bon. 21h01, c'est ça. Ok. Oh. Allez, eh bah allez, je reviens. De toute façon, je sais. Ah si, ça me l'a mis, c'est bon. Je vais quand même lui répondre. À chaque fois, je bagarre avec ce truc. Bien, merci à vous. Bien vu, bien vu. Il aurait dû utiliser un autre téléphone pour faire le coup. Putain de connard qui m'a envoyé.
Par contre, tu m'as quand même fait tilt au fait que j'ai pas été très accueillant au niveau de la réponse téléphonique. Bon. En partant du principe que j'ai vu son numéro, ça m'a induit en erreur. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. J'ai l'impression qu'il a réduit la patate du camion. C'est vrai qu'avant il voulait plus vite que ça. Tant mieux. C'est n'importe quoi avant. Bonjour monsieur. Bonsoir, Nas, tu vas bien? Ah oui. Impeccable, nickel. Bon, excuse-moi, je suis tombé en panne d'essence, et du coup, je suis un peu emmerdé. J'ai pas fait attention, ça m'arrive voilà, première fois, donc là, ouais, à part que. Vas-y, Y a attends. moyen que t'as la possibilité de la déplacer un peu si tu veux, mais. Ben, faut que je me place bien pour le plateau en fait. Attends. Vas-y, vas-y. Non, 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 laisse ta voiture. Je vais me démerder. Merde. Je vais me démerder. En fait, il veut que je prenne le coup de main au niveau du placement. Je pense. Normalement. La taille du plateau, bonjour. On doit être pas mal là. On est quasiment aligné en soi. Bah écoute, si je l'allume ta voiture, ce sera sur mes frères. Ouais, non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Parce que honnêtement, je pense que là je suis dans l'angle, mais je me rends pas compte de la taille du plateau en fait. Comment? Si t'en as déjà niqué une, donc une deuxième, c'est pas un problème. Comment ça? Attends, t'es passé au garage? Attends, attends. Abaisse. Oh, on est pas mal là. Je t'entends pas. Tu veux que je replace un peu la voiture? Il reste un tout petit peu d'essence, donc je pense qu'il y a possibilité. Ouais. Je vais tester. Bah là t'es bien là. Là t'es bien là. Nickel. Ah c'est parfait. Alors ouais bon. Écoute, Je crois que j'avais oublié d'enlever le frein à main, non? Oh là. Oh là là. Ça fait peur. Ouais. Ah non, oui, pour la faire redescendre. Ah, ouais, attends. Le problème, c'est que ça. Voilà, ok. Oh. Oh. On a tout. Ah putain. Ah, oh, ouais, il y a eu une des 5 par rapport.
Mais... Je pense que c'est dû à la pente, je pense. Attends, bouge pas, bouge pas. Je vais le... Ah, tu vois, j'ai même pas besoin de l'attacher. J'appuie sur ça, je rappuie dessus, ça l'emmène. Ouais, c'était lié à la pente. C'est mieux comme ça. Bah, on était pas dans l'angle en fait à cause de la pente. Ouais, du coup, je vais. Non, hop, attache. Oui, c'est mieux. Alors, par contre, pourquoi elle part? What the fuck? Ok, non, faut pas que je touche. Okay. Bizarre les sangles, ok, ok. Alors attends, je remonte le plateau. Non plus. Mais bon, elle me fait un... Alors là, il y a un délire. Est-ce que c'est pas parce que t'as pas détaché la corde? J'ai pas besoin de la détacher. Oh ouais, je... C'est parti, on remonte, hein. En fait, j'avais pas enlevé la corde, parce que juste avant, quand j'ai essayé de l'enlever, elle commençait à partir en arrière, ça commençait à me faire flipper. Ouais, je comprends. Enfin, la sangle... Ouais, bah c'est nickel. Attends, attends, je remonte le truc... Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, ouais. Nickel. Ah bah c'est parfait. Allez hop. En avant toute. Direction une station essence. Alors attends. Ouais. La plus près... Bon on va aller ici. Oh il y en a une juste à côté là. Ouais, du coup, non, l'autre je l'ai pas bousillé techniquement. Ah, ah oui? Non, c'est pas moi, c'est le podium. Non, mais ouais, je suis pas à côté, on verra. Je sais pas trop. Après, je m'en doutais un peu que ça allait être, comment dire, plutôt tricky de faire un dépannage dans une pente comme ça. Après, honnêtement, si les gens retournent dans le véhicule, je pourrais jamais les remarquer. Ce sera pour rien. J'arrive sur place, j'appelle les coffres pour rien. À moins que j'ai une dépanneuse pour les retourner. Mais... Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas. Je vais pas m'amuser à venir me coller au véhicule, le sangler alors qu'il est retourné et le tirer sur la remorque, ça va tout exploser, c'est pas bon. Mais tout ce genre de plan, je me suis déjà. Comment dire? Je me suis déjà fait des films, hein, je vois déjà le truc venir. Alors lui, tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu, ils sont cinglés, je sais pas.